Alors ce soir, en direct de l'univers, on revisite l'univers de Patrick Bruel. Bienvenue dans l'univers de Patrick Bruel. Ce soir, Patrick Bruel. Une heure complète en compagnie de Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonsoir. Ah, tu peux m'appeler Patrick, hein? Mais je viens de vous appeler Patrick Bruel. Oh là là, une tête forte, j'adore ça. Oh. Patrick, ouais. Vous êtes né... Tu me dis-tu. Une heure en compagnie de Tu me dis-tu. Ben voilà. Patrick Bruel, dans les années 70, t'as été géo dans un club med. Tu veux que je t'organise gentiment quelque chose? Hein? Fait chaud. Alors regarde, au départ c'était, regarde un peu, j'ai pas de caleçon sous mon pantalon. C'était ça la chanson des Parmets. Là, mon gérant m'a dit, oh, pff, c'est pas top, hein. Mais c'est vrai, c'est con, hein, mais je porte jamais des slips. C'est très rare. C'est con parce que j'oublie et puis après on voit tout. Et là, il m'a dit, Patrick, ma vie là, c'est comme mon yacht, hein. Tu viens quand tu veux, avec qui tu veux. Alors, c'était ton groupe préféré quand t'avais 14 ans, ils se sont réunis pour nous ce soir. Tu viens quand tu veux, c'était tu me dis. C'était Led Zeppelin. Ouais. Tu viens quand tu veux. Tu viens. Qu'est-ce que tu préfères quand tu viens ici au Québec, Patrick, tu me dis-tu? Alors, tu vois, moi, alors, ce que j'adore avec le Québec, tu vois, c'est vrai que c'est bon, c'est froid. C'est vrai que dehors, c'est froid, mais dedans, c'est chaud. Un peu comme non, pas, les Québécoises. Non, c'est vrai, c'est chaud. C'est vrai, vous êtes chaude. Vous êtes chaude comme des petites chaufferettes, quoi. Je vous adore. Je te laisse pas déconcentrer facilement, hein. Hey, ça fait 11 saisons que j'applaudis comme une damnée à côté d'une vedette qui pleure sa vie pendant qu'il me chante une tune qui lui rappelle ses Noëls d'enfance. Fait que c'est pas ce soir que ça va changer, OK? J'adore ta fougue. J'aime ta fougue. Ah, c'est con, merde, j'ai toujours pas de slip. Alors dis-moi, Vincent, c'est un type ouvert, ça, non? Est-ce qu'on peut juste... Là, ça fait 5 minutes que Robert Charlebois se morfond sur la scène, ouais, en attendant son cue pour chanter « Je reviendrai à Montréal ». Ah, est-ce que j'adore cette chanson! Tu savais que j'adorais cette chanson, hein? Tu c'est le concept plaisir. Du show! T'écoutes la musique qui se passe là! C'est juste ça, le concept du show! Oui, alors c'est très juste bien! Alors, je regarde Robert, je suis ému, on discute un peu de « Je reviendrai à Montréal » et après ça, tu m'accompagnes et je te chante « Je viendrai dans ma loge ». C'est bon pour toi, ça? Je viendrai dans ma loge... À la seule jour d'hiver. Parce que Vincent peut se joindre à nous si tu veux. Moi, ça me dérange pas quand on me regarde. On a ressuscité Aznavour, tabarnak. Ah, ça j'adore. Ça veut dire quand t'adoptes ce ton-là, c'est que c'est sur le point de craquer. Elle est sur le point de craquer, Charles. Non? Elle va craquer, là. Alors quand elle respire comme ça, c'est qu'elles vont craquer, non? Je me fais pas mon cinéma, là. C'est pas moi qui est aussi loche. Tu vas craquer, hein? Bah ouais, tu vas craquer. Allez, je te connais. Bah oui. Allez, laisse-toi aller. Ah merde, j'ai toujours pas de slip. Mais comment ça se fait ça? Mais d'où ça vient cet oubli perpétuel de mettre quelque chose? Et on voit tout.